Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du week-end. Un week-end très chargé du côté du sport. Et vous allez le voir, ce journal est essentiellement consacré à l'actualité sportive. Cette fin de semaine a été marquée par les deux finales de la Coupe de Mayotte du côté du handball. Deux finales très disputées ce samedi soir. Chez les hommes, la rencontre a été intense. Tingoni a brisé le rêve de Combani 35-30. Résumé de la rencontre avec Henriette Bonaïssa et Costa Barré-Sofa. C'est un match qui démarre à 100 à l'heure pour les deux équipes, Tingoni et Combani, ici en bleu, avec des tirs puissants de part et d'autre et les gardiens faisant des arrêts incroyables. Des joueurs commettant des fautes également, les deux minutes pleuvent plus que les buts, score de parité à la mi-temps, 16 partout. À la reprise, score serré, Combani s'appuyant sur ses bases, Zou, Balki et Baïb pour tromper la défense tingonienne, mais Tingoni a du répondant. Combani commet des fautes qui lui valent un carton rouge à quelques minutes de la fin de la rencontre. À l'issue d'un dernier temps mort de Combani, Tingoni aggrave le score. Son gardien de but fait un bel arrêt. Combani voit la victoire s'envoler. C'est donc Tingoni qui l'emporte non sans mal, 32-26. On est dégoûté. On est venu ici ce soir pour gagner. On s'est préparé pour. Tingoni ce soir a été plus fort. On n'a pas respecté les règles. Les arbitres nous ont beaucoup sanctionnés. Il fallait éviter ça ce soir. Il fallait éviter les deux minutes. En deuxième mi-temps, on en a pris beaucoup. C'est difficile contre une équipe qui a beaucoup d'expérience de jouer à 5 ou à 4 dans le terrain. La joie, c'est une finale. Hein. Donc, comme toute autre finale, c'est jamais facile. D'ailleurs, ça a été serré du début à la fin. Même si dans le championnat, on a gagné un match aller, match retour, mais une finale reste une finale et tout le monde a ses chances. Donc, on est resté concentré et je pense aussi à l'expérience a pris le dessus vers la fin. Donc, ils ont un petit peu confondu vitesse et précipitation et on a su justement gérer et profiter de ce moment-là. Tingoni représentera Mayotte à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, prévue au mois de novembre à Madagascar. Côté dames, la fin de saison 2018 a été décevante pour Tsimkoura qui, malgré ses efforts, n'a pas réussi à prendre le dessus sur les joueuses de Bueni. Score final 26-23 pour Bueni. Un match, vous allez le voir, très engagé de part et d'autre. Henriette Bonaïssa et Costa Barré toujours. C'était la fête à Bueni hier soir. Les handballeuses en rouge ont décroché leur deuxième Coupe de Mayotte face aux filles de Tsimkoura, 26-23, au terme d'un match très engagé. Des filles qui se connaissent pour s'être déjà affrontées en championnat. D'entrée de jeu, Bueni s'est montrée très entreprenante avec des passes précises, défiant la défense de Tsimkoura qui du reste a tenu bon. 15-13 à la pause. La deuxième période a été décisive. Bueni, plus efficace, a offert un grand spectacle. 26-23 pour Bueni. Je suis fier de remporter cette coupe. Les filles, l'année dernière, l'ont perdu. Mais voilà, cette année, elles se sont encouragées. On a fait beaucoup d'entraînements, même pendant la période de Ramadan, auquel on allait au gymnase de Mamoudzou. Après le futuru, c'est-à-dire de 20h à 22h pour aller s'entraîner. C'était dur, mais elles ont cru, elles sont là, elles se sont données à fond et aujourd'hui elles ont gagné cette coupe. Je leur dis juste merci, félicitations. C'est super, on avait tellement envie de gagner ce match. C'était un match superbe. Je remercie toutes mes coéquipières, les dirigeants de Bueni, toute l'équipe. C'est une équipe vraiment superbe. Alors, c'est dommage pour une équipe de Tsimkoura, qui est une équipe aussi superbe, mais nous, on avait tellement envie de gagner ce match. Ça fait 19 ans qu'elles n'ont pas été en finale. Aujourd'hui, elles voulaient gagner, bien sûr, mais nous, on avait envie de gagner cette coupe parce qu'on a loupé de peu le championnat. Donc, c'est super. Ouais, elles ont mérité. Certes, nous, on a loupé des choses, mais il y avait trop un peu de pouce. Elles sont à domicile. Peut-être qu'il y avait une certaine arbitrage à la maison, mais bon, c'est le sport. Il fallait un vainqueur. Je félicite l'équipe de Bueni. Ils ont fait un très bon match. Ils ont gagné. À l'année prochaine. Bueni décroche ainsi sa deuxième Coupe de Mayotte. Un peu de repos avant de préparer le prochain championnat et la Coupe des clubs champions de l'océan Indien qui se déroulera à Madagascar au mois de novembre prochain. Après le handball, passons au karaté. La saison a été clôturée en beauté ce matin à la MJC de Mgombani. Les licenciés des différents clubs de Lille se sont retrouvés une dernière fois avant la reprise dans un peu plus de 2 mois. Sur place, à Génial Atoumani, Géraldine Nuit.
Des pupilles aux seniors, toutes les catégories de karatéka se sont donné rendez-vous ce dimanche à Mgombani pour la Coupe de Mayotte, une première. La discipline compte à ce jour 350 licenciés répartis dans 8 clubs. A noter qu'il y a tout juste 3 ans, le comité local de karaté ne comptait qu'une centaine d'adhérents. Ça fait 3-4 ans que je fais du karaté. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Qu'est-ce que tu apprends? J'apprends le respect, j'aime bien quand je me fais de nouveaux amis et tout ça. Je fais le karaté depuis longtemps parce que le karaté, c'est bien pour la santé. Tu as gagné et pourtant tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je me suis fait mal. Maîtrise de soi, respect, humilité, quelques-unes des valeurs inculquées à ces jeunes. Les meilleurs d'entre eux auront d'ailleurs la chance de partir dans les mois à venir. Avec l'Académie de la Réunion, nous allons participer à l'Open de New York. Il y aura bien sûr les compétitions nationales, mais nous allons aussi à l'international cette année. Nous allons participer à l'Open de New York, nos jeunes vont participer. Et puis nos cadres, au mois d'avril, nous irons directement vraiment au berceau du karaté, c'est-à-dire à Okinawa. Deuxième temps fort de cette journée, les finales de kata, autre forme d'art martial japonais. Et dans la catégorie senior, c'est Abdallah Abdourahim qui s'est illustré. Kata, c'est le combat avec des gens imaginaires. Donc c'est, voilà. Du coup, j'aime bien aussi le kata. Mais moi, à la base, je préfère plus le combat. Moi, à la base, je commence avec le judo jusqu'à maintenant. Donc, puisqu'on a eu la chance d'avoir un maître, un prof comme M. Arnaud là-bas, donc il nous a montré aussi, nous a fait découvrir son style de karaté et je m'y suis intéressé. Autant vous dire que les arts martiaux et le karaté en particulier à Mayotte a encore de beaux jours devant lui, compte tenu de l'engouement autour de ces techniques de combat. Rendez-vous en septembre pour la reprise de la saison. Et c'est sur ce match plein d'émotions que nous clôturons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré, suivi de votre émission L'invité de la semaine. À très bientôt. Cette semaine, à l'occasion de la journée pour l'élimination de la discrimination raciale, Investigation tire la sonnette d'alarme. Crimes racistes, acharnement policier contre les Noirs. Il y a un des policiers qui vient vers moi et qui m'interpelle plusieurs fois. Il décide pas de faire la loi, mais il décide de faire sa loi. Il m'a dit qu'il avait peur qu'il lui tire dessus. Au Brésil, comme aux États-Unis, c'est l'escalade de la violence. Une enquête coup de poing, les Noirs dans le viseur de la police. Investigation, mercredi à 20h55 sur France O. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv.